Coucou les Wonders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture de booster. Mais avant, je voulais vous montrer un petit booster que ma fille a ouvert ce matin, les Wishy Squishy Pets. Et en fait, elle pouvait en avoir plusieurs, donc c'était aléatoire, hein. C'était voilà, des mysteries et elle pouvait avoir donc tout ceci. Vous vous douterez bien que elle, ce qu'elle voulait, c'était la petite licorne qui s'appelle Star. Et qu'est-ce qu'elle a eu dans sa petite ouverture? La licorne en squishy, qui est trop bien. Elle sent bon et tout. Et en fait, si jamais je vous montre ça, c'est parce que ma fille, quand elle a des boosters à ouvrir, c'est incroyable la chance qu'elle a. Les derniers boosters qu'elle a eu à ouvrir, non seulement elle voulait la licorne, mais elle a eu la licorne. Et en plus, c'était le petit personnage mystère. Donc j'espère qu'elle va me porter chance parce qu'elle était avec moi quand j'ai choisi les boosters. Donc c'est parti, on s'ouvre les petits boosters. Voilà, donc on va s'ouvrir comme vous pouvez le voir 4 petits boosters de chez Santoro, donc les petites poupées Gorgeous. Bah, sans plus attendre, on va commencer. Alors, cette fois-ci on va pas se spoiler, du coup je ne vais pas regarder, si je fais tout bouger ça va pas le faire, hop, je vais pas regarder dans le petit fascicule quelle est la poupée, puisque dans le fascicule il y a la poupée, donc c'est parti. Alors, waouh, super. Donc déjà, on l'avait pas eu la dernière fois, puisqu'on a déjà ouvert 4 petits boosters, mais on n'a eu que 3 doubles. Oh, mais dis donc, qu'est-ce qu'elle est jolie. Alors, j'ouvre ça. Elle sent bon. Elle sent vraiment bon. Waouh, regardez ça, comme c'est trop mignon. Elle est vraiment trop belle. Ah, elle est vraiment trop jolie, avec son petit chapeau sur la tête, le petit renard à l'avant. Les détails et tout, je le répéterai jamais assez, mais elles sont magnifiques, quoi. Donc, on a... Donc, c'est à l'odeur. Son odeur, c'est guimauve. Et elle s'appelle The Dreamer, donc la rêveuse. Alors, on va tout de suite... donc là, comme d'habitude, une petite phrase. La petite histoire de The Dreamer. Une petite recette. Et on va regarder donc celle qu'on aimerait bien avoir. Donc nous, la semaine, enfin c'était il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, il y a 2 semaines. Donc non, nous avons eu Oops Daisy, Ruby en double et Lady Bird. Et donc cette fois-ci, nous avons eu The Dreamer. Et justement, moi, mes objectifs pour cette ouverture-là, ce sont les 4 du milieu que j'aime beaucoup. Et bon, bah voilà, nous, on verra bien ce qu'on aura. Mais pour l'instant, c'est une super pioche. Je suis vraiment très contente. Elle est magnifique. Vraiment trop belle. On continue. La petite ouverture facile qui se trouve ici. Alors, qui aurons-nous? Ah, encore. Oh, mais non, mais trop de chance, je suis trop contente. Elle est trop belle. En plus, avec son petit chapeau style chapelier fou, là, j'adore. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Attendez, je la sors de son petit sachet. Elle sent super bon en plus. Oh, elle est magnifique. Ah, j'aime beaucoup. La voici sur son petit socle. Regardez ça, comme elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Je chuchote un peu parce qu'il y a mes filles qui sont en train de faire la sieste, mais aussi parce que je ne sais pas pourquoi, quand je trouve les choses belles et que je m'enjaille un peu comme ça, bah, je chuchote. Alors, nous sommes donc en présence d'une petite poupée qui sent le thé sucré et qui s'appelle The Hatter. La description est ici. Et voilà, donc on a bien eu... Donc là, pour l'instant, sur 4 boosters, on en a 2 que je voulais avoir. Donc je suis super contente parce que vraiment, je les trouve adorables, celles du milieu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment un coup de cœur. Donc je suis vraiment contente. Allez, on continue. Avant-dernier, petit booster. Tac. C'est parti. Wow. Alors, petit cœur violet. Et nous avons... Elle est belle!
Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Alors attendez, je l'enlève de son plastique. Elles sont super bonnes. Et donc elle a un petit casque sur les oreilles, un petit collier avec un cœur, des petites cartes de jeu, un petit nounours. Ah, elle est magnifique. J'ai hâte de découvrir comment elle s'appelle, mais avant ça, je la mets sur son socle. La voici sur son socle. Elle est belle, hein? Ah, vraiment, elle est belle. Et nous sommes donc en présence d'une petite princesse qui sent la grenade. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit petite princesse. Et elle s'appelle Dear Alice. Et voilà, la troisième du milieu. Si jamais on arrive à avoir Forget Me Not, je pense que nous aurons le petit carton plein. Mais bon, pour l'instant, c'est parfait. Nous n'avons pas de double. Bon, allez, pourvu que ça dure. Dernier booster. Le voici. Toujours pas de spoil. On n'ouvre pas le petit carnet. Alors, elle est plus petite que les autres, j'ai l'impression. Bien plus petite. Donc, j'espère vraiment qu'on n'a pas un double. Mais c'est parti. Oh, mais nous n'avons pas de double, mais c'est un carton plein pour cette ouverture. Regardez ça, elle est toute petite, toute mignonne. Avec son petit cœur dans les tons gris. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à... Voilà. Donc je l'ouvre. Elles sont bonnes. Elles sont un peu... Oh. J'arriverai pas à vous dire, ça me fait, je sais pas, ça me rappelle un parfum d'huile essentielle, mais je pourrais pas vous dire vraiment laquelle. Elle est vraiment trop jolie. Bon, je la mets sur son petit socle. Et la voici, sur son petit socle. Je tremble. C'est moi qui tremble comme ça, qui fait trembler la poupée. Oui, c'est moi qui tremble, c'est fou. C'est parce que je viens de faire mon sport, alors je suis un peu... Voilà. Elle est très très jolie. Donc, comment te prénommes-tu, jeune demoiselle? Donc déjà, elle sent Jardin des rêves. Alors, on va essayer de regarder quelque part ce que ça sent réellement. Et elle s'appelle Little Violette. Donc, elle sent peut-être tout simplement la violette. Hop. Voilà. Tu voyages ainsi dans de vastes champs violets et bleus. Alors, sans doute qu'elle sent la fleur, quoi. La violette, je pense. Voilà. Donc, où se trouves-tu? Voilà où elle se trouve. Ah, c'est. J'aurais bien aimé avoir Forget Me Not parce que je la trouve vraiment superbe, un peu avec son petit nounours là. Mais alors là, c'est vraiment. Je voulais avoir celle de milieu. Je voulais absolument celle-ci. Je l'ai eue. Je suis trop contente. 4 boosters, 0 double. Et en plus, en tout, du coup, ça nous fait 8 boosters avec un seul double. Franchement, c'est génial, carton plein quoi, je suis vraiment contente. Comme quoi, hein, vous voyez ma petite introduction tout à l'heure en vous parlant de la chance de Rachel. C'est vrai, Rachel porte vraiment bonheur, c'est fou. Donc voilà, alors je vous remontre un petit peu toutes les petites figurines que nous avons eues aujourd'hui. Je vais essayer de faire un petit sondage. Je vais essayer, je le dis, je vais essayer. Si jamais le sondage n'apparaît pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Mais dans le sondage, on va... Je ne sais pas si je leur donne leur prénom. Oh si. Bon. Voilà, donc dites-moi laquelle vous préférez entre The Dreamer, The Hatter, Dear Alice et Little Violette. Moi, je pense que mon cœur balance, mais tout. Ah, j'ai un petit coup de cœur quand même pour ces deux-là, je dois l'avouer. Elle, j'aime beaucoup le petit renard qui est avec. Mais celle-ci, ouais, j'aime beaucoup son côté un peu chapelier fou. Donc, ouais, je pense que moi, j'aime beaucoup The Hatter. Donc, bon, n'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée. J'espère que cette petite ouverture vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!